Neg Axam pété un pel coup de balle hier, bozon prison, mesdames, yon en titan, ou bien cabaret. Donc là, un pile moun qui te bon prison, ou bien qui t'en dans prison, que yon te sauté parce que yon te craint que Neg Axam entre en dans prison. Te gen des messages de détresse qui te voye, des moun dans prison, ta voye SOS, mande pote au secours, tellement coup de balle. Ta fait Mikalao, bon prison cabaret, hein? Fanatique Joe Canel, Journal 9 et zone ça, zone cabaret titanien, bandit acheté ça, l'argent comptant. Entre Nord Capital semblait presque dans même niveau avec entre Sud Capital, zone Martissan, zone titanien cabaret canarin, mais zone ça presque dans même niveau avec Martis. Bon canard entier t'a fin gâté net les même. Mais zone titan rien sous ma la cabaret, mais zone ça au même presque fin totalement en bas main nèg Axam, ça qui rend situation difficile dans pays. Entre sud là, bandi occupé ça, entre nord, bandi occupé ça. Son pays qui livré by bandi qui lagué dans mes nèg Axam qui gè contrôle ça. Et c'est plus problème pour la police. C'est plus problème pour la police qui lui-même pral gen plus travail pour le faire tant que ou gagne des bandits cap augmenter, tant que ou gagne des gangs cap contrôler plus espace. Donc travail là lui-même la vie plus compliqué pour ti monsieur au niveau de police nationale et ça tout qui a vinn montrer que la police là pour contre lui, li pa ka si e ka jou ça. C'est vrai, la police là montre il efficace là au bal moyen. Là on met il en confiance, mais là gagne presque tout pays qui gagne gang comme ça, ben son situation qui prend presque très compliqué pour la police là lui-même les résoudre pour contre lui. Fanatique Joe Canel, Journal 9. Eh ben après Jimmy Cherizier alias Barbecue lui-même, il fin annoncer que camion ka sorti varé, camion ka rentré varé, employé ka vinn travail. Mais jodi là, pièce employé pas mettre pied dans espace là, pas va ou pas ta fonctionner. Jodi lundi là, Fanatique Joe Canel, Journal 9. En suivre qui j'en sentais, je n'en lève mes pieds à terme dans la rue. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dans mon moment, on a parlé là, nous exactement. Eh bien, dans le terminal Varé, et après que la police a même défini que vous prenez contrôle de l'espace, et gagné Jimmy Cherizier alias Barbecue, vous avez dit tout chauffeur camion vini pour être capable de prendre gaz dans le terminal Varé. Eh bien, maintenant nous vini et nous sommes dans le terminal là, et nous sommes capables de nous beaucoup remarquer le chauffeur camion. Et nous pouvons remarquer le terminal là lui-même, il est ouvert. Eh bien, nous sommes capables de dire que ces camions qui campent. Et ces camions qui campent. Eh bien, nous ne pouvons pas remarquer le monde dans l'espace là. Eh bien, ces camions même qui campent. Et nous avons le terminal là, eh bien, nous pouvons le faire avancer. Nous allons faire avancer pour nous permettre de vivre. Et comment le terminal va lui-même lié pour matin lundi, eh bien, 7 novembre 2022. Nous là, nous pas remarqué présence de personne et nous pas remarqué présence personne employé ni chauffeur camion. Si on la coquille blanche et camion même et qui stationné et camion qui stationné, bien et c'est comme ça lui même lié devant terminal. Et là nous pas laisser faut une idée de comment rentrer à lui même lié et non capable ouais c'est madlo et bien qui a terre. Nous sommes capables de dire au terminal là lui-même qui poko vraiment fonctionner. Il n'y a pas de camion qui campait. C'est
à part du camion même qui campait, c'est matelot et qui gagnait à terre. Et là, nous allons laisser arriver dehors pour nous faire vivre. Comment ça y est? Voilà, et nous toujours devant le terminal Varu, qui permet de vivre comment ça lui-même lié. Et voilà, c'est comme ça, nous sommes capables de nous remarquer un chat blindé campé et bien devant le terminal Varu. Et bien nous-mêmes, nous là, nous présents, nous toujours présents pour nous permettre de vivre comment ça est devant Varu. Et voilà, et bien là nous sommes capables de nous amener nous. Bien nous sommes capables de remarquer que les trilets qui étaient barrés sont toujours là. Ils sont toujours là, les amis internautes. Et bien, ils ont juste mis sur le côté. Et bien, et nous sommes tous les même, ils sont toujours là. Et bien, et nous sommes tous les gens qui ont circulé dans la zone timidement. Et nous permet de vivre comme ça. Tu joues bien nous? Tu joues bien nous? Aussi bizarre que ça apparaît, ça va me garder là, c'est vrai. Tu vas laver l'eau. Tu peux y cocher ça. Voilà, c'est comme ça situation. Il y a un employeur employé semble prétendre, il a contrôlé pour y avoir un revenu de travail. Parce que je dis là, espace là bien bonheur, pas de gain employé là-dedans. Est-ce que dans mi-temps journée, un gain employé qui a descendu un camion qui a sauté en dedans, nous pouvons connaître, mais pour le moment que nous avons enregistré vidéo ça, mais pas de gain monde dans espace là, espace là n'est pas fonctionnel. Fanatique Joe Canel, Journal 9. Donc là, est-ce que c'est plus sécurité mon y a tonne, est-ce que c'est plus garantie y a tonne, est-ce que c'est observer situation avant yo renne va fonctionner? Parce que le gouvernement a sorti une note qui dit tout pompe pral gen gaz à partir de lundi ça,
Mais c'est pourquoi le cas. C'est pourquoi le cas. On y a un mode attentiste toujours, à suivre toujours. En tout cas, papa, sur le plan politique, sur le terrain politique, là, acteurs au niveau du accord Mondana continuent à multiplier les rencontres pour imposer ça comme plan pour payer là. Et le président élu accord Mondana, Fritz Alphonse Jean, qui déclarait que le peuple n'a pas qu'à encore avec la richesse Guédéo, avec insécurité Guédéo, la population pas qu'attendre encore. Donc il y a multiplié rencontre pour arriver à proposer pays à une solution. En suivre en entendre Fritz Alphonse Jean. Situation à vivre, une situation extrêmement pénible au niveau économique. Le Nabgadé, par exemple, 500 employés qui perdent du job là dans Jamaica Borders. Nabgadé, une entreprise qui vaut 2000 mon aller. Nabgadé, niveau prix. Produits pour une nécessité, que ce soit du riz, poids, maïs, etc. Et malgré tout, pas oublier, pendant tout ça passé, le salaire minimum n'a pas augmenté pour ouvrir. Donc, nous, là, nous construit une pauvreté dans le pays, qui fait que la situation est extrêmement pénible, non seulement pour nous-mêmes qui sommes dans Haïti, mais pour les gens qui sont dans la zone, on parle de monde qui n'a pas arrivé, que ce soit République Dominicaine, que ce soit Bahamas, Tekken, Cosmiano, tout Haïti, pour quitter, malgré les jeunes garçons, les jeunes femmes, depuis des possibilités, pour quitter le pays. Donc c'est ça que nous avons vu. En même temps, bon, violence qui a fait au niveau pays. Violence qui a fait la question de kidnapping, monde qui a mouru, monde qui peut sortir. Donc c'est ça que nous vivons comme situation, comme peuple qu'on est là. Donc dans ce sens, ça, nous sommes là, dans le monde, avec différentes idées, pour nous voir comment que nous avons avancé plus vite. Pour nous voir les difficultés qui viennent dans la question de négociation, comment que nous avons géré les difficultés à eux, pour nous passer par cela. Parce que le pays n'est pas capable encore. Surtout avec la question de kidnapping, la question de femmes qui ont violé, la question de viol collectif, qui a violé la pays. Donc c'est ça, tout ça que nous venons discuter là. Nous venons discuter tout, différentes propositions qui sont faites en Mondana. Par exemple, Dr. Buto qui l'a avec nous fait une proposition pour dire que nous avons supposé redéfinir le type de leadership pour discuter sur les questions de négociation. Il y a un BAM qui font leur proposition. Nous pensons que là, c'est une bonne journée de travail que nous vivons là. Nous espérons la fin d'après-midi, nous arrivons à une série de résolutions, mais même si ce n'est pas des résolutions, la proposition qui fait, ça va supposé permettre que nous discutions différents éléments de savoir en dans différentes entités, instances qui sont dans le monde, que ce soit forum politique, la plateforme société civile et leurs différentes instances. Donc c'est pour ça que nous avons des questions. Merci. Alors vous parlez de réunion de travail, M. Jean, alors l'information était plus question, c'est. Équipe Montana qui t'a questionné sur ensemble de rencontres que vous avez faites. Est-ce que vous êtes mal informé ou bien? Alors, il y a été plus parlé d'une sorte de questionnement pour être capable de d'explication sur ensemble de rencontres que vous avez gagnées avec deux mondes, soit dans le gouvernement ou bien bah, dans l'autre. Ah non, pas questionnement. C'est besoin qu'on ait avancé sur question de négociation parce que, comme nous-mêmes, nous parlons de consensus. Consensus, ça, c'est pas avec trois entités qui est dans le monde seulement. Consensus, ça, c'est avec différentes entités. Et d'ailleurs, documents que nous présentons, nous ne sommes pas présentés, tout documents présentés, documents sont fruits de différentes discussions qui ont fait avec différents, que ce soit partis politiques, monde qui est dans la société civile, monde qui est dans le secteur privé. Donc, documents, ça a reflété sur les et apports et échanges que nous faisons avec différents mondes qui est dans la société. Dans quel niveau nous y aujourd'hui pour l'accord Mondana entrer en application? Nous avons toujours montré que nous l'ouvrons, nous prêts pour nous parler avec de l'autre secteur, pour nous essayer de joindre de l'autre consensus. Dans quel niveau que nous y aujourd'hui? Bon, sur les documents que nous présentons, sur les documents de consensus, c'est le niveau ça que nous y est. Maintenant, à partir de documents ça, qui sont instruments de bataille, c'est le document ça que nous avons présenté, discuter avec différents mondes qui vont participer à la discussion, que ce soit avec l'international, là, tout pour nous dire que nous-mêmes, en de Mondana, mais qui côté que nous y est. Donc, comme son discussion que nous avons fait avec des éléments qui sont en dehors de Mondana, évidemment, il y a des gens qui sont dans Mondana qui participent à la discussion. Donc, si vous voulez, son reddition que nous venons faire là, du document ça, pour nous venir parler avec différentes entités pour nous dire, mais qui savent que nous pensons qui est un document potable, parce que le document ça reflète, si vous voulez, toutes dispositions qui prennent la discussion que nous faisons dans Mondana. Que ce soit dans fondamentaux Mondana, ou là, nous parlons de fondamentaux Mondana, nous parlons de nécessité pour un dialogue national, nécessité pour nous adresser problèmes de crimes de sang, crimes de nécessité pour nous gagner des réformes économiques qui permettent que nous libérer l'État de prise d'otage que l'État a dans la soule. Donc, tout élément, ça, il y a dans le document. Est-ce que vous voulez faire que, au niveau de Mondana, il y a un problème entre ELUO et BSA? Côté que les négociations ont fait, BSA n'a pas parlé. Une situation de façon
et lui-même, il y a l'autre gens. Qui ça nous capable de dire avec la population? Et ça pour nous comprendre, Montana, c'est 1100 entités qui produisent Montana. Dans 1100 entités, il y a plus que 500 organisations. Et ensuite, reste là, c'est des personnalités. Donc, nous avons tout le monde qui sortit des horizons divers. Donc, c'est un mosaïque que nous avons. C'est normal pour gagner des frictions. C'est normal. Et d'ailleurs, pour nous, on arrive tout le temps à la pour la survie, toujours malgré, on a parlé, etc. Hésitation, on dit qu'il y a un problème. Bien sûr, il y a un problème. Bien sûr. Son communauté de monde qui soutient la société qui traversait par une bonne contradiction. Contradiction, ça va dans Montana tout. Mais ça n'a pas empêché que je dis à là, ça peut nous vivre. Nous vivons que nous-mêmes élus. Nous, là, nous avons toute quantité qui là. Il y a des gens qui représentent BSA qui là. Il y a des gens qui représentent KNT qui là. Et l'autre plateforme, que ce soit forme politique, que ce soit plateforme société civile, tout le monde là, pour nous discuter de ça. Voilà, ça c'est déclaration Fritz Alphonse Jean qui est président élu à Montana. Nous connaissons que Steven Benoit qui est même dans le premier ministre, mais il y a quelques temps à cause de la fête, mais il n'y a pas de pouvoir malheureusement. États-Unis lui-même, États-Unis, c'est dans Ariel Henry lié, c'est dans Ariel Henry le campé. Donc monsieur Sayo, nous t'avons dit yon pa gen gang, yon pa gen bandi, yon pa gen la police, ça veut dire yon pa gen yon force de pression pour t'a prendre pouvoir, et ça veut dire. Mais là, Steven Benoit était quoi que à Montana proposition le faire, c'est une pi bon proposition qui pas jamais existé dans histoire politique paysan pour ces dernières années. Donc c'est ça Steven Benoit lui-même l'a déclaré en dedans Steven Benoit. Pas plus tard, en pile dans monde dans Montana, par contre qui pourcentage qui peut-être j'ai président a bien grand frustration, pas yo gueule pas aller trop vite, trop lent. Donc président, et comme dans Montana c'est toujours dit, président gien doit parler tout. Président qui doit négocier, qui doit rencontrer les gens. Et moi-même, ça ne me fait pas bruit. Depuis qu'il y a une entité qui invite, par exemple, je suis fort, je plus peut-être participer dans la question diplomatique là. Chaque temps que la délégation est l'homme capable, parce que nous avons côté prêté, il ne faut pas sortir. Mais l'homme est capable de rencontrer tout le monde qui m'a demandé quoi. Et je dis que nous avons raté une rencontre, une rencontre entité Montana, que le KNT, que le KRN, que le plateforme société civile, que le plateforme politique, que le BSA. Comme je ne trouve qu'on est même toujours répondre présent et à l'heure à toutes les réunions que j'ai invitées. Mais dans la vie, il faut avoir discipline, tout le monde ne peut pas parler en même temps. Donc, moi, comme des gens qui ont parlé, président a parlé, BSA a parlé, moi, je préfère quitter le palais. Mais l'heure pour me parler, à pas de là. Et, encore une fois, quand même, position mieux, nous connaissons ces positions de conviction. Et nous avons jamais eu une transition pour le marché. Et nous avons proposé déjà depuis 3 ans, depuis 2 ans, et pratiquement tout ça, nous avons dit dans la tête nationale pour la transition pour le marché. C'est eux-mêmes qui ont demandé, ça fait moi-même, je ne vais pas hésiter une seconde, signer à quoi Montana et continuer à appuyer à quoi Montana, parce que on dit clairement, à l'âge moi, je me lis en pile, c'est la meilleure proposition politique qui gagne en Haïti qui fait. Depuis ces dernières 50 dernières années. Donc, moi, je crois dans l'accord Montana et je continue à appuyer, je continue à pousser. Bon, alors, sénateur, malgré le monde. Et l'accord Montana, la population, justement, riche, gens dans la misère, dans l'insécurité, toute forme. Alors, qui ça fait marchandise là, malgré nous faire l'accord Montana, qui d'ailleurs, vous même qualifié, c'est un peu moins encore. Oui. Qui fait aujourd'hui nous pour qu'on joue nos bails concrets pour la population en sortie dans sa vie? La population, c'est très intelligent. Il dit que en face de Montana, il y a une équipe qui n'est pas dans la région qui est fâché. Qui n'a pas le régime criminel PHTK, qui a 11 ans là, qui a pillé, qui a déjà pillé, qui a tué les gens, qui a populaire. Il a même dit qu'il y a un international derrière. Il y a la police à l'armée, une grosse branche, ma qui pourcentage, que vous politisez complètement. Nous voyons ça dans la manifestation. Il y a une gang, mais je dis déjà, c'est gang l'État. Gang l'État, c'est l'État, ça a PHTK qui crée gang. En 2010, on m'a déjà déplacé, j'en voulais. Moi-même, pas garanti qu'on va prendre la caille, là, l'homme saute là. Donc, on a une gang d'État. Donc, moun sa yo, yo non pouvoir côté à enrichir, yo, yo pas envie de quitter. Donc, nous-mêmes, dans Montana, nous pas les âmes. Nous n'avons pas de gang, nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de l'armée, nous n'avons pas d'international qui a soutenu nous. Donc, il est difficile pour nous atterrir. Nous conscients de ça. Mais nous-mêmes, nous avons ces convictions qui ont mené nous. Et comme nous avons un document, et mieux dit, nous avons un document d'une vingtaine de pages avec 106 articles, c'est lui qui fait de route, nous avons mené nous. Nous-mêmes, nous avons continué à goûter pour nous atterrir sans nous pas tuer nous, sans nous pas prendre des armes, pacifiquement,
n'a essayé le plus possible pour nous convaincre la population, pour nous dire nous-mêmes c'est meilleur, nous sommes les meilleures propositions qui sont sur la table là. Quel l'autre lui? Mais je pense honnêtement, humblement, la proposition Montana, c'est lui qui rassemble au maximum de monde. Malgré tout, ouais, Montana ouvert pour nous parler à l'autre proposition, pour nous chiter ensemble, pour éventuellement pour nous faire une solution pour le pays. Mais la solution, nous-mêmes dans Montana, la Ponea, c'est une transition coupée fâchée à corruption, à contrebande, à dire drogue, à vol, à pillage systématique de ça dans sol là et ça dans sous-sol là. Nous-mêmes, Montana, nous croyons que la population, après 14 mois, nous ne pas que ça quand de Montana, nous-mêmes, sommes transition coupée fâchée dans la politique. Au lieu de transition coupée fâchée, pour être qui sont loin international là, tout, les plus sous voyant force étrangère, nous-mêmes, au niveau de Montana, qui positionne nous parce que nous plus envie, bah, nous, force étrangère, au lieu. Nous instaurer une transition. Alors, nous-mêmes, dans Montana, nous sortons un document qui est très clair. Nous pas dit nous anti-blancs, nous pas dit nous anti-étrangers. D'ailleurs, Haïti, nous t'es toujours connu depuis 200 ans, son terre d'accueil nous y est, et son côté avant insécurité de blague dans le pays, c'est un côté que touristes, tout le monde à travers le monde, remet vini, vini ressourcer, vini ouen. Qui moun sa yo qui fait pour ça yo en 1804 là? Donc, nous toujours étons terre d'accueil. Maintenant, problème insécurité vini. Bon, pas qu'il y a un capacité. Maintenant, quoi équipe moun depuis 200 ans qui a tiré ficelle, moun qui est exécutif, qui a tiré ficelle, président, monsieur Pablier, nous fait 200 ans, avec quelques exceptions, sont pas qu'il y a corrompu qui est dans notre pays. Et bon frange international, je dis, un frange qui est très à l'aise à ça, le bon série de dirigeants qui ont 15 ans, qui ont fait la caillou, qui ont 23 ans, qui ont 23 ans, etc., ils ont plus à l'aise à moun, ça veut dire qu'ils ont fait à droite, fait à gauche. Mais nous Steven Benoît comme premier ministre, c'est difficile pour un pilier de accepter parce que on est pas capable de me faire à droite, faire à gauche. Mais son bataille constant liée et bataille continuera à poursuivre. Mais dans la vie, faut qu'on ait conviction parce que une ou deux ou trois ou dix pour l'international à vouloir parler pour faire recul. Faut continuer à gourmer pour son croyant. Et notre population qu'on est depuis l'homme élu député en 2006, bataille son bataille contre la corruption, son bataille contre l'impunité, son bataille pour tout le monde qui a l'école, son bataille pour tout le monde qui a travail, ou un salaire dans le monde qui permet de renouveler. C'est-à-dire salaire minimum, je veux dire 600, 700 gouttes, salaire poitrine, ça. Tout le monde connaît, international la connaît, on s'y veut nous arriver au petit monde des affaires. Faut nous ouvrir le salaire là. Parce que je veux dire, on ne peut pas vivre à 700, à 800 gouttes, même à 1000 gouttes. Donc, depuis 2006, moi venant parlement, on toujours connaît que gen moun k'ap taklem, gen moun k'ap pale mal, gen moun k'ap atakem parce que m vinn déranger l'ordre des choses et m'a continuer déranger l'ordre des choses parce que ça m'a fait c'est pour majorité population en deux fois qui te bon mandat et pour député et pour sénateur. Et même dans Montana, pour majorité moun qui dit m yo continuer faire confiance et yo mandé m continuer travail pour yo et m'a continuer travail là. Et dans Montana et mon tout m'vle cœur ça. Pas gen aucune friction entre moi président et moi même pas aucune friction entre mes BSA parce que mon bon travail mon bon feuille de route que Montana ban moi m'a suivi à la lettre même gens m'étaient toujours à suivre constitution dans pays non pas parler de faux qui là non m'a parler de constitution 87 là mais c'est comme ça bien monsieur qui respectueux de la loi même je m'a respecté constitution 1987 là c'est comme ça tout m'a respecté règle jouet Montana qui s'est fait de route noire. Voilà Steven Benoît qui dit était attaché à accord Montana parce que accord Montana fait payer une belle proposition maintenant qui j'en ai que ça eux même dans rencontre parce que il y a une rencontre qui fait tout avec Ariel Henry mais pas débouché sur rien et États-Unis campé red avec Ariel Henry soit pour Ariel ou pas Ariel ou mettez la tête comme ça. On vient en face États-Unis et nous connaissons les pères blancs. Si tout blanc commence par les sanctions, papa. Donc là, est-ce que les gars même vont faire des concessions pour joindre une entente avec Ariel Henry pour installer un autre gouvernement? Ça reste à voir parce que pays a vrai, pays a non situation côté pas capable encore. Fanatique Joe Canel, Journal 9. Ou compte formule déjà. Si vous pouvez abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagay 9 pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail information 50 Journal 9 à faire dans tout pays. N'ap kapi la avec vidéo ça.